Salut tout le monde, c'est Déo. Aujourd'hui, vidéo très spéciale. En effet, on va tester un jeu, mais un jeu fait par deux abonnés. Et j'ai vraiment l'impression qu'ils ont beaucoup taffé leur truc, du coup j'ai vraiment hâte de tester ça. Ce serait apparemment un fan game Pokémon, mais basé sur l'univers un peu de mes vidéos et tout ça. J'en sais pas trop plus. On va voir ça ensemble. En tout cas, un énorme merci à vous les gars, c'est vraiment une super initiative, ça me fait super plaisir. Voilà, je sais pas à quoi m'attendre, mais à mon avis, ça va envoyer du pâté. C'est parti. Ok, ils ont mis la musique du générique de Bizarre Nuzlocke pour faire l'intro, donc super. Pokémon Deolink. Ah là là, allez, start. Donc je suppose que c'est Hunter, ok. Ah, il y a déjà des parties. Du coup, on va faire nouvelle partie, nous. Bon, on va effacer la partie 1. Ok, là, c'est qui parle? Si je laisse penser mon instinct, c'est Ganon. Du coup, je vais faire la voix de Ganon. Cette fois, tu ne peux pas m'échapper, Link. Là, c'est Vert, c'est peut-être Link qui parle, mais... Oh, je sais pas, on verra. Je ferai les voix uniquement quand je saurai qui est qui, parce que là, sinon, je vais faire de la merde. Quoi, mais où suis-je? Qui me parle? Quoi, tu me reconnais pas? Je suis, évidemment, ton ennemi juré, Ganon. Voilà, j'avais raison pour Ganon. Du coup, c'était Link en vert. La vieille tête de Blue ne me plaisait plus. Voilà ma vraie forme dans ce jeu, alors... Ah, ça faisait longtemps que j'avais pas fait. Ça te plaît? Mais attends, tu n'es pas Link? Mais merde, j'ai foutu quoi avec les commandes? C'est peut-être parce que j'ai rajouté Déo devant. Ah, mais t'es malin, toi. Bon, je te laisse, misérable humain. Je dois retourner dans mon antre afin de résoudre ce petit problème. De toute façon, tu ne peux pas sortir de cet endroit. Bonne fin de vie, stupide Déo Link. Parce qu'avant, elle était pire, la voix de Ganon, c'était... Mais ensuite, elle a changé au dernier épisode, parce qu'il a changé de forme, tu vois, et du coup, maintenant, il a cette voix. Mais voilà, les deux sont chiantes à faire. Du coup, là, c'est moi, en fait, en vert très fluo. Du coup, je peux parler avec ma voix normale. C'est quand même RP. Mais merde, j'étais en train de faire mon montage tranquillement. Quand j'ai été téléporté ici, il faut absolument que je rentre finir, mais où mes abonnés vont me tuer, je dois retrouver ce stupide Ganon. Ouah, putain, ça me déchire les yeux. Putain, n'écrivez plus jamais en vert clair fluo sur blanc, s'il vous plaît. Puis l'apparence qu'on m'a attribuée ne me correspond pas du tout. Bon, du moment qu'il est stylé. Ok, donc, comment je ramasse? Ah, ok. Tiens, une Pokéball. Vous obtenez l'Ocarina. Super, c'est le machin de Link, comment est-ce qu'il est arrivé là? Ouais, je me demande également. En fait, je suis ma propre conscience actuellement. Je peux sûrement appeler Epona avec ça. Voulez-vous en jouer? Oui. Oh, un Ponyta! Ponyta, Epona! Salut ma belle, c'est bientôt Epona. Te voilà devenu un galopa. Ah, c'est pas un Ponyta, c'est un galopa. Epona, rejoins votre équipe. En grimpant cette barrière, je pourrais sauter dessus cette barrière? En grimpant sur Epona! Allez ma belle, fais voir ce que t'as dans le ventre. Ok. Ah, nickel! Nickel, nickel. Alors, est-ce qu'il y a des Pokémon? Yes, il y a des Pokémon dans ces herbes. Par contre, je sais pas si j'ai des Pokéballs. Waouh! Ah, c'est bien fait! Pam, 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 waouh! Ok, putain, niveau 52! Elle a quoi comme attaque? Hâte, furie, déflagration, rebond. Dans mon sac, j'ai quoi? Que dalle! Du coup, on va pas perdre de temps, on va faire fuite. Hop! Salut toi. D'accord. PGM Cyril. Et l'Edel est envoyé par PGM Cyril. D'accord. Vas-y Epona. Déflagration dans ta tronche et l'Edel. Tu fais trop la belle. Tu me fais cruel. Je ne comprends pas. Pourquoi j'ai fait un échec critique? Ça ne me correspond pas. Tiens, prends ça. Tu crèves. Si tu crèves pas, je t'achève. Ok. Un Luxray. T'es prêt? Luxray. Je vais te désintégrer. Déflagration dans ta tête, tu pourras pas te relever. Ah si, il peut se relever. Croix éclair. Ouh, il fait mal. Allez, bim bam boum. Voilà, on l'a battu. Impossible d'exister des gens plus forts que moi. Forcément. Il y a toujours plus fort que soi. Ah, c'est après qu'il me fait le... Ah merde, encore un cadavre. Foutez-moi la paix. Allez, on fuit. Il y a quoi par ici? Ah, une petite fille. Salut. Bonjour, je m'appelle Max et je fume des gros bidons, sa mère. Ok, c'est Max de Life is Strange. De Max Strange Thug Life. La série que j'ai arrêtée sur Life is Strange qui était très bien. Ok, normalement, tu vas prendre cher avec une déflagration. Allez, 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 allez. Et bim. Là, si tu te relevais, je comprenais pas. Un clitty-clic. Merde, j'ai plus une seule déflagration. Oh, je suis dans la merde. Oh non. Rebond, ça va rien lui faire. Oh là là, mais j'ai perdu. On va tester Fury. C'est de la merde. En plus, j'ai pas une seule potion, j'ai rien. Il est paralysé, c'est mon unique chance. Il a raté son attaque, super. Il a encore raté son attaque? Putain, quel bolos. Sois paralysé un petit peu. Oh non, non, non. Ouf, ça fait pas mal. Je peux gagner. Mais par contre, je pourrais pas assumer les autres dresseurs. Ok, le petit coup critique, il fait plaisir. Nickel. Pas les couilles, je vais remonter le temps. Ah, ça c'est bien trouvé, ouais. Elle va remonter le temps, elle va me casser la gueule, mais bon. Ça sera sur une autre ligne temporelle, du coup, moi, je m'en fous actuellement. Ah! Encore un cadavre? J'en étais sûr. Il n'y a que ça. Allez, on se barre, j'ai même pas envie d'aller voir ces deux dresseurs, j'espère qu'il va pas m'attaquer, lui. Ah! Hey, salut, moi c'est Newtiteuf. Mais bon, tout le monde m'appelle NT. Je t'ai jamais vu dans la région. T'es nouveau? Tiens, pour la peine, je vais te donner ce Pokémon.
Il répond au nom d'Obélix, c'est cadeau. De toute façon, moi j'ai un Machoc bien plus puissant. Bon, salut, et surtout, reste comme tu es, car tu es super. Bye Déo. Oh bah c'est cool, merci NT. Toi t'es qui? J'aime les fenêtres. D'accord. On va dire que c'est Edoflo. Oh oh oh! C'est Bryce! Salut toi, dis-moi, que dirais-tu d'une paire de couilles ornées d'une verrue? Allez, ok. Oh, je vois que tu es curieux. Mais tu as raison, tu en auras vraiment besoin. Cassé! Castagnette a rejoint mon équipe. Castagnette le Morpheo. C'est un très bon Pokémon. Il m'a bien aidé lors de mon aventure à Hoenn. Sinon, je te conseille d'aller faire l'arène. Ça vaut mieux pour toi si tu veux survivre dans cette région. Allez, ciao! Tiens, en prime, je te donne mon téton. Tu verras, il est adorable, mais il a tendance à être un peu dur. C'est débile. Ah, super. Du coup, j'ai récupéré combien de Pokémon, là? Attends. Start. Voilà, Pokémon. Ok, j'ai Epona, Obélix. Obélix qui est jamais devenu un Kaymorph, en vrai. Castagnette et Téton. Putain, Téton qui est jamais devenu un Ampiflore aussi, en vrai. Ah, super. Je vais aller au centre Pokémon avant de faire l'arène. Je pense que c'est une bonne idée si je veux pas me faire baiser. Toi, t'es qui? Bizarre, Kokona Haruka n'est toujours pas arrivé. Ouah, il y a même des références à Yandere Simulator. Pourtant, c'est récent. Ah, super. Ah, c'est cool. Un instant, s'il vous plaît. Merci, voilà, je suis allé au Pokémon. Merci d'avoir attendu. Ciao. À bientôt. Ah, putain, vous avez géré. Ah, je me marre de ouf. J'ai envie de parler à tout le monde, du coup, parce que je me dis qu'il peut y avoir des easter eggs de partout. Ils peuvent éclairer les nuits les plus noires et guider les navires. On peut monter sur leur dos pour traverser les mers quand on n'a pas de bateau. Les Pokémon ne peuvent nous aider dans la vie de tous les jours, à bien des niveaux. Je ne pourrais pas imaginer la vie sans les Pokémon. Ok. Toi, tu dis quoi? Désolé, mais la salle de soins est fermée au spectateur. Désolé, mais la salle de soins est fermée au spectateur. Toi, t'es qui? Quand on passe du temps avec un Pokémon, on devient plus proche de lui. Ah, mais le coup de Kokona Haruka, ça m'a fait délirer quand même. C'est vrai que si elle était dans Pokémon, elle se trouverait au centre Pokémon, certainement. Ah, on peut pas rentrer ici? Ok, d'accord. Ah, on peut pas rentrer ici. Ils ont pas tout sur le modélisé. Je pense qu'ils s'en sont cantonnés à l'essentiel. Ah! Ah! Ok, Thug Life. Ouais, c'est très drôle le passage avec Nutiteuf, hein. Centre commercial. Ah là non plus, d'accord. Bon, on va faire l'arène. Peut-être que les trucs se débloquent quand on fait les trucs qu'ils veulent qu'on fasse, parce que ils peuvent pas forcément gérer si on fait pas ce qui est prévu. Tu vois, ça peut faire bugger le jeu, du coup ils ont peut-être bloqué toutes les issues, histoire qu'on fasse bien ce qui est demandé. Alors il y a des Pokémon, on peut peut-être les défier, mais ça va juste me défoncer la gueule avant de combattre les dresseurs. Du coup je vais d'abord me cantonner. Ah, il y a pas de dresseur, il y a juste le champion, d'accord. Alors, et attends, moi j'ai un Pokémon de type feu en premier, donc ça va pas. Hop, Pokémon, on va mettre... Ouah, la musique. On va mettre... Merde, on va être Obélix. Ordre. Hop, parfait. Hop. Salut, Whis. C'est qui ça, Whis? Salut, jeune dresseur. Mon nom est Whis. Je suis le champion de cette arène. Tu veux te mesurer à moi? Très bien. Je ne refuse jamais un défi. Tu vas devoir te surpasser pour remporter le badge. Tojo? Il y a des références que je pige pas, hein, aussi. Ah, c'est moi qui parle. Je ne veux pas le badge. Je cherche Ganon. Ganon? Tu veux l'affronter? Sache qu'il est très puissant. Si tu n'arrives pas à me vaincre, tu n'auras jamais la force de battre Ganon. Oui, je fais un peu d'improvisation aussi. Je te dirai où il se cache si tu arrives à me vaincre. En garde! Ok, Whis. Champion Whis. Ah, Aeropteryx. Ok, let's go, Obélix. Le fight des Gaulois. Allez, c'est parti, attaque. Let's go pour Blizzard. Il a raté son attaque? Bolos, va, vas-y, fais Blizzard. Putain, je pensais qu'il aurait des attaques. Oh, j'aurais peut-être dû vérifier. Ça tue. Tarinorm. On va balancer Téton plutôt. Il a peut-être des attaques plantes. Attaque. Ok, non, par contre, lui, il a vraiment des attaques. Oh, d'accord. Allez, vas-y, Aqua Jet. Ah, il est pas mort. En plus, c'est un Cocritike. Grolem, dernier Pokémon. Non, retour. Moi, je veux garder Téton. Ça va, la paralysie, nous, on la subit pas trop. Séisme. Aïe. Ah, ouf. Allez, sois pas paralysé, nickel. Téton, t'es vraiment le plus bon. Bien joué. J'ai soigné ton équipe. Ah, ça, c'est cool. Bravo, mon grand, à présent. Rejoins-moi sur la plage si tu veux plus d'informations. Et il est nickel, leur jeu, hein. Vraiment. Alors, est-ce qu'on peut les combattre? Giga. Ah ouais, on peut les combattre. Par contre, je vais fuir parce que j'ai pas de Pokéball, donc ça sert à rien. Et puis mes Pokémon sont déjà XP, alors. Hein. Je sais pas pourquoi, par contre, ils m'ont fait blanc avec les cheveux blancs. Alors que bon. Mais bon, c'est pas grave parce qu'au début, le personnage a dit qu'il me ressemblait pas. Donc c'est cool. Sur la plage pour trouver Whis, qui m'a donné rendez-vous. Et où es-tu, mon petit? Je ne te trouve point. Ah, te voilà. Je sais que tu n'es pas de ce monde.
ghost. Comment tu peux savoir ça? Ça se voit à ta gueule. D'accord. Explique-moi comment tu es arrivé ici. Bah, y a un gars qui s'est téléporté ici, je sais pas trop comment, et me voilà. C'est Ganon, donc. Tu le connais? Pourquoi j'ai changé de voix? En ce moment même, mon ami est à la recherche de l'antre de Ganon. Les Pokémon, eux aussi, ont été supprimés pour laisser place à des êtres venus d'autres mondes, pour ensuite les enfermer dans les corps de ces Pokémon. Peux-tu nous aider à stopper Ganon? Tu me donnes quoi en échange? Une astuce ultime pour arriver jusqu'à lui. En gros, on a le même but finalement. Dis-moi quelle est cette astuce. Ne passe pas par la cave Topiqueur pour le trouver. Ça se fout de ma gueule. Ça, c'est une référence au fait que je suis passé par la cave Topiqueur dans Pokérace et que j'ai perdu du temps et que du coup j'ai perdu Pokérace, voilà. Je te propose de rejoindre mon ami. Il se trouve dans la grotte au nord de la ville. Je te rejoins dès que j'ai fini mes préservatifs. Au nord de la ville? Ok, let's go to the north of the city. Hein? Ah non! Nord-ouest. J'ai peut-être mal lu, j'ai oublié. Ok, y'a un mec. Je présume que c'est lui. Ah bah c'est lui Tojo, d'accord. Bien le bonjour, je suis Tojo. Wish m'a prévenu de ton arrivée. Alors comme ça, tu veux voir un Ganon? Ah 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 ah, c'est pas drôle. Je connais un passage pour rejoindre son antre, mais tu devras effectuer une tâche pour moi. Une tâche de la plus haute importance, c'est vital, alors ne me déçois pas. Il s'agit de aller chercher une pizza au centre commercial. Il est déjà 3h30, je n'ai toujours pas goûté. Tu as donc une minute, va. Ok, d'accord, va aller lui chercher une pizza. Putain, j'ai la dalle. En vrai, hein, pas dans le truc. Et j'ai une pizza dans mon congélo qui ne demande qu'une chose, c'est d'être bouffé. Et au lieu de ça, je suis obligé d'aller en chercher pour un autre mec virtuel. Le monde. Nous ne vendons pas d'objets pour les pauvres. Veuillez jouer au loto et revenir après. D'accord. Ça me fait rire parce que ça me rappelle Gotohan. Nous ne vendons pas d'objets pour les pauvres aussi. Nous ne vendons pas d'objets pour les pauvres. Mais putain, mais je veux juste une putain de pizza. C'est si compliqué à comprendre. Ah, wesh. Rien de mieux qu'un petit Super Smash Bros et une bonne douzaine de pizzas chaudes pour le goûter. Ça, je valide. Pas vrai, Nerose? Ah, ben Nerose, c'est un des deux mecs qui ont fait le jeu. Ouais, mais bon, j'en ai marre de gagner tout le temps. Tu veux pas faire un autre truc, Nega? Comme tu veux, mais on en parle à l'abruti qui nous mate le cul depuis tout à l'heure. Tu veux quoi, toi? Je sais plus à qui j'ai fait la voix de qui, du coup, c'est un peu what the fuck. Les tombé. Attends, ne le frappe pas, Nerose, c'est le petit Deolink. Ah mais oui, j'avais dit à Tojo de t'envoyer nous voir s'il voulait une pizza. Il savait que je venais, du coup. Eh, Nerose, pourquoi on se fait chier à parler alors qu'on peut se parler vraiment? J'avoue, go Skype. What the fuck? Allô, Nerose? Ouais, les gars. Bon, j'ai une idée pour Deolink. Oula. Deolink, faut que oui. Tu t'abonnes à nos deux chaînes si tu veux avoir ta pizza. Par contre. Alors maintenant, tu vas sur YouTube. Tu marques Negaxis Nerose et tu t'abonnes. Allez, faites-le vous plutôt. Quoi? Faut vraiment que je le fasse? Sans déconner. Ah du coup moi je tape Negaxis et je trouve Nerose. C'est comme ça que ça se passe sur vos chaînes. Allez hop, hop. C'est bon, je peux vous reparler maintenant? Non mais attends, t'as vraiment cru que moi, le grand Nerose là, le... au-dessus le mec, j'allais réussir à coder ça? Non mais non. Ta mère, on s'en bat les couilles. C'est pas possible, non? C'était un drôle. Par contre si tu veux aller regarder, tu peux, parce que c'est vrai que c'est drôle quand même. Ah, ne vous inquiétez pas, je l'avais déjà regardé. C'est pas mal. Hésite pas. Bon. Hésite pas. Sinon, bah, tiens, hésite. Ta gueule. Bah, d'accord. Bon, allez. Non, tiens. On te donne nos deux Pokémon. Ça va? Moi, je te donne Rosette. C'est un petit rose bouton que j'ai dans mon cœur. Et lui, il va te passer Jean-Mi. Alors, Jean-Mi, si tu connais pas, c'est toute une histoire. Ouais, bah, on s'en fout. J'ai reçu il y a deux semaines, c'était encore un Filali. D'ailleurs, c'est toujours un Filali. Type Dragon Spectre, Giratina, c'est son frère. Il est né dans le bourg Palette. Sacha, il l'a éduqué jusqu'à ses 4 ans. Oui, quoi. Non, ta gueule. D'accord. Oh putain, le truc. What the bon, fuck. Bah, tu peux retourner voir le clochard dans la grotte. Il va faire quoi là? On a mis quoi comme script déjà? Faut que j'aille ouvrir un passage pour aller voir Ganon. Ok. Ouais bon, allez on se tire. Ouais. On se tire, on retourne sur Smash Bros que je te remette ta branlée. Bon du coup j'ai récupéré les Pokémon. Allez continue. Bref, alors Rosette et Jean-Mi, du coup ils ont quoi comme attaque Rosette et Jean-Mi? Alors résumé... C'est vraiment le bruit d'un Roserade ça. Ténèbres, malédiction. Malédiction? Pourquoi ça a pas de type? Tacle lourd et séisme. Les cris à la con, c'est pas du tout ça. Alors, pouvoir antique, Dracogriffe, revenant. Oh, je pense qu'ils ont toute une histoire, ces Pokémon. Ça doit être en rapport avec leurs aventures de Let's Play. Attends, j'ai pas parlé à l'autre con qui va me dire qu'ils vendent pas d'objets pour les pauvres. Voilà, merci. Moi, c'est juste par principe, je parle à tout le monde. Enfin, même à la plante, là, salut. Et là, elle me disait un truc, je pétais un plomb. Ta-ta-ta-ta. Y'a peut-être un truc dans cette poubelle, non? Putain, il est génial votre jeu, les gars. On retourne dans la grotte. Salut! Tu m'as ramené une pizza? Non! C'est pas grave. Ils m'ont pas filé de pizza? De toute façon, je suis allergique.
C'est con. Bon, à présent, je vais te dire comment trouver Gano. Il faut que tu retournes à l'arène et que tu parles à la grosse pierre qui est derrière le champion. Logiquement, tu pourras pas la louper. Bonne chance pour la suite. Ok, j'ai eu peur que ça m'entraîne plus profond dans la grotte. Je déteste les grottes dans Pokémon. Je déteste ça. En vrai, j'aime bien l'aspect Léo. J'en ai fait une fois, c'était vachement cool. Mais les grottes dans Pokémon, ça a rien à voir avec de l'aspect Léo. Le seul truc en commun, éventuellement, c'est les chauves-souris. On s'en fout, dans quoi je m'embarque là? Allez, la grosse pierre. Je me disais bien qu'elle était suspecte, mais je me suis dit que c'était une statue du badge. Mais en fait, non. La pierre semble bouger. Waouh, putain de passage! L'infirmière Joël, wesh! Bonjour! Nous pouvons soigner vos Pokémon! Voulez-vous les soigner? Oui! Ah non, ça c'est... Oui, excusez-moi, j'ai un moment de castration. Un instant! Merci d'avoir attendu! Vos Pokémon sont en super forme! À bientôt! En enfer! Ok, salut meuf, qu'est-ce que tu foutais derrière la reine? Je suis pas fumeuse, mais j'aime la pipe! Ce pur Rachel. Vas-y Obélix. Ok, excellent que tu m'as cherché. Je vais tuer, tu vas crever comme une pauvre merde. Ok, t'es mort. Ariyama, c'est parti. Prends ce rogivre dans tes doigts. Mon petit Ariyama, je te jure que tu te relèveras pas. Avec ta tête de sumo, je vais faire qu'une bouchée. Sans lâcher le moindre gros mot. Connard! Allez, c'est réglé. Ariyama est décédé. Maintenant, qui va envoyer? Charpedo, Charpedé. Allez, on envoie quelqu'un d'autre que Obélix. Vas-y, Jean-Mi. On va voir de quoi tu es fait. Je suis pas fait, je suis plante! Allez, c'est parti pour Dracogriffe. Oh! 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 Est-ce que c'est Jean-Mi du Crève? Parce qu'on dirait qu'il a tué... Avant la Kalashnikov! Ok, on a battu Tepu Rachel. Bonjour, soignez Pokémon, voilà. Ganon, j'arrive! Ah, un bug catcher. J'aime bien les Rattata, et toi? C'est qui, lui? Me dis pas que... Par ferme ta gueule, Déo! C'est méchant! J'ai cru que c'était Didi Chandouidouille au début, vu qu'il a dit qu'il aimait les Rattata. En fait, c'est ferme ta gueule, Déo, d'accord? Mais pour la peine, rien que pour tout ce combat, je parle pas. Y'a pas de mal à se faire du bien. Now you shut the fuck up, bitch! Ok, c'est bon, j'ai fini de fermer ma gueule, je vais aller soigner ces Pokémon. Putain, ils sont violents, j'espère qu'il n'y en a pas 40 000 comme ça avant Ganon, parce que Ganon, il va être fort. Et du coup, si à chaque fois je dois me taper l'aller-retour... comme dirait Pingu. Pingu, au revoir! Pas encore un, me dis pas qu'il va me voir de là. Ouf, c'est bon. Je veux juste jeter un coup d'œil. Ah, c'est le dernier. Putain, c'est grand. Bon, j'ai envie de le défier juste pour voir si je loupe pas un easter egg marrant. Mais vraiment, ça me casse les couilles parce que l'infirmière est trop loin. Maçon Pedro. C'est pour ça que je me farcie un combat pour Maçon Pedro. Ah, je me suis complètement fait niquer. Est-ce qu'on peut fuir? Non. J'envoie Téton, hein. C'est le seul qui a des attaques hautes. Allez, Aqua Jet, one shot. S'il te plaît, one shot. S'il te plaît, one shot. S'il te plaît, one shot. Oh, c'est bon. Allez, Bec Vrille. Ouh, 4 points de vie. Mais ça va le faire. Ratata, ah oui, le mec il a deux singes puis un ratata, histoire de te mind. Quel est l'intérêt? Et bam! Voilà. Bah, c'est un lapin crétin le mec ou quoi? Allez, on se retape l'aller-retour. Allez, voilà, on va entrer dans l'antre de Ganon. T'es pas sérieux? Putain, tu pouvais pas la mettre devant, que je le vois avant de rentrer? Ah, j'ai fait ces allers-retours pour rien. Putain, j'en ai marre. Ça, c'est du troll, putain. Putain de merde. D'accord, Mewtwo, Dracaufeu et Ganon. Qui ose me déranger? Ah, mais c'est toi, Ado Link. Tu es encore en vie. Bah, en même temps, y'a rien qui a vraiment essayé de me tuer, quoi. Ganon, enculé! Fais-moi sortir de ce jeu débile! Tu veux sortir? Mais y'a aucun moyen de sortir, abruti! Non, je ne crois pas. Il doit bien y avoir un moyen. Tu veux la liberté? Oh, très bien, je vais te l'offrir. Tu pourras sortir de ce jeu pour aller en enfer! Tu as eu de la chance jusque-là, mais c'est terminé, enfoiré! Mais qu'est-ce que je lui ai fait, putain? Go, Dracofeu! Méga évolution! Oh, stylé la musique! Fils de pute, Ganon! D'accord! Dracofeu! Déjà méga évolué, le mec! Parfait! On part sur un blizzard! Waouh, ça c'était du lance-flamme! Obélix rate! Bien joué! C'est bon, il prend cher. Hop, voilà, Dracaufeu, dégage. Vas-y, Jean-Mi, on va essayer de faire un Pokémon contre un Pokémon à chaque fois. C'est le petit défi. Super, Dratak, ça part sur un Castagnette. Palmétéo, qui fait mal, très mal. Ouh, Kukri Tike en plus. Un Drascor, ça part sur un Rosette. Sans salade, s'il vous plaît. Machouille. Aïe 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 aïe. Ouh, vas-y, Séisme. Espérons que ça lui fasse encore plus mal. Allez, 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 sinon t'es mort. Yes! Mona Flemmi, ça part sur un
Ton... Il se met le doigt dans le nez. What the fuck. Vantardise. Ah merde, vas-y, siphon. Ah, connard. Mais putain, je déteste la confusion, même dans ce jeu, ça me fait défaut. Putain, vas-y, enfin, merci. Dis-moi que je suis plus confus. Et il refait Vantardise. Et je suis déjà confus, et je suis plus confus. Oh, 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 oh. Merci pour le boost, Mona Flemmy. Ah merde, mais Siphon, c'est une attaque qui se fait en boucle. D'accord, Téton, il va pas réussir. Putain, pourquoi il fait que Siphon? Pourquoi il est bloqué sur Siphon? Moi, je veux faire bec vrille depuis le début. Non, putain. Vas-y Epona, tu vas faire deux Pokémon. Ah, il fait mal. Ah, il fait mal le con. Ah, le connard. Ah, le fils de chien. Allez, déflagration. Je crains qu'Epona, il va pas tenir son Pokémon. Ah, c'est qu'un host enfer. Allez, vas-y, déflagration. Ah non, c'est mort. Tranchère, voilà. Désolé Epona. On repart sur Obélix. Ok. Oui, 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 oui. Ok, on l'a battu. Il y avait un Mewtwo sur le côté, par contre. What the fuck? $1 million, d'accord. Tu m'as battu, Link. C'est pas Link, c'est Deoling, bordel. Ah oui, c'est vrai. Oui, bah, va pas chipoter sur la merguez. What? Mais ce n'est pas fini. Allez, Mewtwo, fais ce que t'as à faire. Depuis quand il aime Mewtwo, Ganon? Ah, depuis quand il a tous les légendaires aussi? Un coup de main, peut-être? Alors, il y a Negaxis, il y a Neroz, et après, les autres, c'est Whis et Tojo. Je sais pas si Whis et Tojo, c'est des mecs qui vous ont aidé à faire le jeu, ou si c'est des noms comme ça. J'en sais rien du tout. KO! Mewtwo, extermine-le! What? Il y a un autre combat? Ah, j'ai été soigné? C'est déjà ça. On part sur un putain de gros gif, sa mère! Il m'a fait mal. Et moi, je lui ai fait rien. On va partir sur un repos. Obélix, c'est le moment de faire ce pour quoi tu es né, ce pour quoi tu as un don, ce dans quoi tu es le meilleur. Ronfler. C'est nul! Mais j'ai pas compris pourquoi Ganon a à nouveau 6 Pokémon. Il est juste pas faisable, ce Ganon. Je vais essayer de balancer la grêle. Ah, mais s'il me one-shot tout, je peux rien faire. Super! Y'a que Obélix qui se fait pas one shot et j'ai aucune potion. Il voulait pas vendre des choses aux pauvres. Bon, c'est pas comme si j'étais millionnaire actuellement, mais bon. Allez, Aqua Jet. Ah, ça va, ça fait mal. Par contre, il va me buter. Non, il m'a pas buté. On refait un Aqua Jet. De toute façon, je peux pas me soigner. Hein. Ah, je voulais tout miser sur un coup critique et là, ça me semble un peu compromis. Et notre con qui dort là, putain. Part sur un ténèbre. Thermiforce. D'accord, c'était nul. Ok, on l'a buté. Espérons que les autres soient pas tous comme ça. Hein. Sinon, autant vous le dire, c'est foutu. Mais comment vous voulez que je fasse? Vas-y, malédiction. Je peux pas gagner, hein. Je peux juste pas gagner. Ça doit être fait exprès à mon avis. C'est pas sur Rift, allez, oui. Allez, Jean-Mi, t'es ma dernière chance. Oui, c'est pas sur Rift. Ah putain. Ouais. Super. Je savais bien que vous n'aviez aucune chance. Et ils m'ont vachement aidé, hein, les autres. Hein. Ils ont juste rien foutu. Merci de l'avoir retenu jusqu'à maintenant. Mais c'est mon combat. Ah, Link, te voilà enfin. Je pensais que tu avais perdu tes couilles. Ganon, c'est la fin pour toi. Mère, go Ouija! Oh! En plus, ils utilisent les musiques que j'ai utilisées dans mes let's play, donc ça c'est cool. Fin. Waouh! Fan game réalisé par Negaxis, Neroz. J'espère que t'as kiffé. Bisous sur tes fesses. Félicitations pour tes 15 000 abos, tu les mérites très largement. A plus. Dans le bus, fan game réalisé par Negaxis et Neroz, j'espère que tu as kiffé, bisous sur tes fesses. Ça va durer combien de temps? On est bloqué là-dessus? C'est un troll aussi ça à la fin. Franchement, bravo les gars, c'était vraiment génial, je me suis éclaté, j'ai rigolé. Il y avait plein de références, plein de trucs marrants, des libertés que vous avez prises qui sont vraiment cool. Franchement, un gros GG à vous, c'est vraiment super. Donc j'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'hésitez pas à les féliciter dans les commentaires, franchement c'est vraiment la seule chose que je vous demande pour cette vidéo. Félicitez-les parce que vraiment ils le méritent. Et dans tous les cas, on se retrouvera plus tard dans une prochaine vidéo. Encore un gros GG à vous les gars, et ciao. Faut mâcher, faut mâcher, faut mâcher, faut mâcher. Oh là là.